Alors, chers amis, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, partager ce direct, je vous ai dit partager, c'est informer, c'est expliquer, c'est éduquer. Alors, je vais ce soir, direct, parler, pardon, comme d'habitude, toujours parler à nombreux cadres de mon parti, le RHDP. C'est pour eux que je fais ce direct. Le thème, c'est de leur demander de changer de stratégie, surtout changer de méthode dans la situation actuelle. Vous savez, je répète toujours aux gens que j'ai fait partie des porte-paroles du président Lassan Ouattara. C'est-à-dire les porte-paroles que le président avait choisi il y avait jeunesse, il y avait agriculture, il y avait tout. Voilà, il y avait tout. Il y avait Touré Mamadou. Il y avait Joël Nguessan, il y avait Salimata Dambélé, il y avait, il y avait, comment on appelle, Franck Jenny, le fils de Jenny Kobena, il y avait Boa Bonzou, il y avait Anou Loto. Il y avait Anou Loto. Donc, j'ai été quand même là où je devais être pour le combat du président Ouattara. Ce combat qui a donné 32% au premier tour. Chers amis, ça a été un excellent travail. On a mouillé le maillot, on a boussé. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Ça fait 14 ans qu'on est au pouvoir. 14 ans. Le bilan. Moi-même, Zasso. Moi-même, Zasso. Là, ça dit le bilan de nos cadres-là. Ça, ça dit que ce n'est pas encore à la dimension de la lutte du président. Ce n'est pas, pas satisfaisant. Le président a lancé de grands chantiers. Le président Ouattara a lancé de grands chantiers. Mais il y, y a encore du boulot à faire. Vous voyez, nous sommes à 14 mois des élections présidentielles. Nous sommes aujourd'hui à 14 mois des élections présidentielles. Jusqu'à présent, on ne sait même pas qui sera le candidat du RHDP. On n'a pas encore de lisibilité. Est-ce que ça sera le chef de l'État Est-ce qu'il va choisir quelqu'un d'autre Donc, on est encore dans un débat alors que nous sommes à 14 mois. Le temps est court. Quand je parle, il faut que les gens m'écoutent. C'est-à-dire, quand nous, on parle, on ne fait que vous interpeller. Parce que vous, pour vous, il faut que ce soit l'opposition qui parle. Non, nous, on est dedans. C'est dans le même combat qu'on est. Moi, j'ai étudié des grandes révolutions qui ont été des succès et des échecs dans le monde. Mais on ne peut pas mener un combat sans un esprit, sans des règles. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont été les luttes, là, qui ont réussi, ont rempli les conditions objectives et subjectives de la lutte. Et ça a été des succès. Vous allez aujourd'hui en Corée du Sud, Corée du Nord, Russie, ce pays-là. Vous allez au Rwanda, partout. Fou est boigné en 1960. mais Il a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. C'est parce qu'il avait une vision. Aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Chers amis, partagez le direct. Il faut qu'on se réveille. Je, ces derniers temps, je vois des gens dans des commentaires. Oui, Zasso, est-ce que Zasso est devenu tiamis? Zasso, Zasso est ceci, Zasso n'est pas clair, Zasso, Zasso est vendu. Zasso... Je dit, mais attendez, vous avez quel problème Est-ce que vous, là, vous avez quel problème Mais un parti politique, là, si on ne se dit pas de vérité, là, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Moi, je ne suis pas dans un système où je vois des choses sur moi-même, mes propres yeux. C'est-à-dire, on a mené un combat depuis RDR. Des gens sont morts. Il y a des choses qui se passent. Je regarde et puis je ferme ma bouche. Je devais non seulement être dangereux pour le parti, je suis un hypocrite. Je n'aime pas le président Ouattara. Parce que aimer le président Ouattara, ce n'est pas faire des bruits, mais c'est connaître sa vision politique, connaître son histoire, d'où il vient et où il va. Mais tu ne sais même pas comment il a lutté pour être là. Et toi, tu dis que tu es militant. Tu te l'aimes. Non, c'est ça qu'on appelle les opportunistes. Et les opportunistes mal formés deviennent un danger pour le parti. Parce que eux, c'est leurs intérêts. Là, le président va trop au pouvoir. Eux, ils mangent. Ils sont contents, ils, sont, ils vivent. Mais ils ne savent pas comment ce monsieur a souffert pour arriver là. Ils ne savent pas. Ce n'est pas leur problème. Faites très attention. Hein. Revenez sur l'histoire des gens. Moi, j'aime faire beaucoup de recherches. C'est pour ça que je suis beaucoup formé. Sinon, ce n'est pas parce que j'ai fait les grandes universités, non. Mais en matière politique, là, il y a des gens qui pensent qu'un juge en soit Non, non, non. Moi, je, ça dit, j'apprends sur l'État. C'est comme ça que je suis. Je connais le président Lassane Ouattara. Le président Ouattara, là, hein, autant de faux boigné, tous ceux qui l'ont combattu, là, sont tombés. Tous ceux qui l'ont combattu sont tombés. Tous ceux qui l'ont combattu là, ils sont tombés. Mais pourquoi Parce qu'ils ne connaissaient pas le président. Ils ne le connaissent pas. C'est Oufoué seul, tu connaît le président. Quand les gens ont commencé à combattre le président, Oufoué leur a dit, c'est mon fils. Il a fait tant, il a fait tant, il a fait tant. Ça veut dire, il a été formé. Il a fait les grandes institutions, BCAO, tout, tout. C'est un homme compétent, sérieux, honnête, qui a été formé. Oufoué leur a dit, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils ont persisté dans la bêtise. Ils ont continué de le combattre. Sinon, Oufouet avait déjà tout dit. Oufouet-Boigny avait déjà tout dit. Normalement, les bédiens, les la devaient se calmer. Mais ils n'ont pas écouté Alors qu'Oufou a mené une grande lutte. Face aux Blancs, on disait quoufou même était communiste. Mais Oufou a réussi à bâtir un grand pays. C'est-à-dire, dans toute la CDAO, il a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays. Mais c'est ça, c'est ici que ça se passe. Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas les émotions. Chers amis, on a 14 mois. On a perdu Amadou Gon, on a perdu Ahmed Bakayoko dans notre système. Aujourd'hui, on n'a pas encore comblé ce vide. C'est-à-dire on n'a pas encore trouvé des gens pour remplacer Amadou Gon, pour remplacer Ahmed. Amadou Gon, là, le nord seulement, là, il verrouille ça. Lui seul, il verrouille le nord. Ahmed Bakayoko, il verrou le nord, il verrou la Côte d'Ivoire. C'est toute la jeunesse ivoirienne sans discrimination. Ahmed Bakayoko n'est pas comme ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont constamment dans des conflits contre eux-mêmes, dans des palabres entre eux-mêmes qui créent des conflits, c'est-à-dire des clans qui divisent le parti, qui divisent la jeunesse. Ahmed n'est pas comme ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, il ne faut pas on va se mentir. Vous pouvez continuer de mentir, mais moi, Zasso, je dirai la vérité au président. Je dirais toujours la vérité au président. Et souvent, je dis à l'entourage du président. Il y Vous tu avez mené la lutte du RDR. Aujourd'hui, on est le RHDP. Bédi est parti. Soro est parti. Aujourd'hui, on est dedans. Mais le, R... le RDR, c'est nous, on est dedans plus non Il faut qu'on se dise la vérité. C'est son d'être hypocrite. Mentir au président Ouattara ne veut pas dire qu'on aime le président. Je suis vraiment désolé pour vous. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'aimer le président Ouattara, ça veut dire, ah ouais, 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 pas en route, pas en route. Oui, je sais. Ce n'est pas à vous de dire ça aux gens. On vous a confié aujourd'hui des postes, on vous a nommé. Quel est aujourd'hui votre bilan Aujourd'hui, c'est quoi votre bilan C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit aux gens, vous tu avez mené les longues luttes, c'est le moment de vous réveiller. Parce que nombre de vos amis sont tombés. Ils sont morts. Le parcours a été difficile pour accéder au pouvoir d'État. En 2010, il y a eu des morts. Ça dit, pour que le président prend le pouvoir, Babo n'a pas accepté. Babo a tenté d'embrigader le pouvoir. Il y a eu des morts. Tous ces gens qui sont tombés nous regardent. Leurs enfants nous regardent. Tous leurs cousins. Tout le monde est là. Nous regardent. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Je vois souvent certains de nos militants. Quand l'opposition parle, au lieu d'être rassurant, d'être convaincant, ils menacent. Ils insultent. Non, moi, je fais l'opposition. On, nous tous, on a fait l'opposition. C'est quand tu n'as pas fait l'opposition que tu es rempli de haine. Mais quand tu as fait l'opposition, que tu es au pouvoir, tu dois rassurer, tu dois convaincre. Est-ce que vous avez une fois vu le président Ouattara insulté Vous avez une fois, une fois vu le président Ouattara menacé Non Il est serein. Il est serein parce qu'il a un, un bilan. Mais son, le seul problème qu'on a, ceux qui sont autour de lui, les décideurs, n'arrivent pas à mettre les gens à leur place. Ils sont tous dans un, truc, dans un business, dans un truc qui fatigue. Le pouvoir du président Ouattara. Et ça fatigue. Ça fatigue, c'est la vérité. Les gens n'ont jamais pensé que Babo allait revenir. Mais ça fait combien de temps, je vous ai dit que quand le procès a commencé à tourner comme ça, là, je vous ai dit la vérité. On, on s'est tous demandé laisser Babo rentrer parce qu'on n'a plus le choix. Le fait que Babo ait été acquitté, c'est un échec de notre propre cas. Ceux à qui on a confié le dossier de la CPI n'ont pas fait leur travail. Babou est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Babou est rentré en Côte d'Ivoire parce que nous-mêmes, on a échoué. Il y a des gens qui ont dit non, on voulait, ils n'ont dossier la dossier. On leur a confié le dossier. Ils sont allés à la CPI, ils sont allés chercher des faux témoins. Ils sont allés chercher des faux témoins. Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche. Parce que ces pays-là, c'est l'argent. Quand Sam l'Africain partait témoigner, là, il a eu beaucoup d'argent, Sam l'Africain. Ce vieux con qui est sur les réseaux sociaux, qui n'a pas de respect, qui m'insultes là, il a eu l'argent pour aller témoigner. D'après lui, il a bien témoigné pour Babo Majori. Mais ça, l'Africain a reçu de l'argent. Ils sont venus dans des pays de l'Europe, ils ont pris, pris des gens. Et on leur a donné de l'argent, les y témoigner. Mais le résultat, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Il faut qu'on soit honnête autour du président la Ouattara. Et c'est une vérité. Partagez la vidéo, chers amis, parce qu'on a été restreints. C'est pour ça que moi, je suis plus sur TikTok. Hein? Voilà, je vais maintenant relancer Facebook. Sinon, moi, je suis maintenant sur TikTok. Hein? Ah mais oui, voilà. Sur TikTok là-bas, là, donc chers amis, c'est ça qui est la vérité. 2025, nous n'avons pas encore le nom de notre candidat. Oh, normalement, le RHDP, là, c'est nous qui devons déjà donner le nom de notre candidat. Quand Madouga est mort, Ahmed est mort, on n'a pas préparé quelqu'un. Vous n'écoutez pas. Tout système doit toujours être prêt à préparer la relève. Ici en Europe, là, tout est bouclé. Ça à dire que demain là, si le président de la Suisse dit, lui, il est fatigué. Les secondes qui arrivent, on met quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont déjà tout préparé. Les gens sont déjà là. Mais au RHDP, on n'a pas préparé des gens. Dès qu'Ahmed est monté, Ahmed est mort, Madougo est tombé, on n'a plus préparé quelqu'un. C'est-à-dire, un groupe de personnes s'est emparé du système, et se sont assis sur ça. Et ils jouent maintenant avec tout le monde. Ils font croire au président Ouattara qu'il travaille, mais en réalité, il ne travaille pas. Ils font croire au président Ouattara qu'ils sont des leaders. En réalité, ils ne sont pas des leaders. Ils passent tout leur temps à diviser. Ils sont méchants, but de leur personne. Ils ne respectent personne. Et je leur dis ça toujours. quand je les vois, je dis, mais je ris. Je dis, mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de préparer pour vous-même? Est-ce que vous savez comment Babou est parti du pouvoir? Est-ce que vous savez la bataille qui a eu lieu? Mais si demain là, ce pouvoir -là, on le perd là. Mais c'est vous qui avez des biens, c'est vous qui êtes riche, c'est vous qui avez créé des entreprises, c'est vous. Comment des gens qu'on nomme, des, des personnalités qui travaillent pour, pour la République. Eux-mêmes, là, ils sont ministres, ils sont déjà. Ils ont des entreprises écrans. Ils s'occupent de leur famille, de leurs frères, de leurs cousins. Et on est dedans pendant 14 ans. C'est eux seuls qui s'enrichissent. On ne les déplace jamais. Ils sont là. Et ils ne bougent pas. Malgré leur incompétences, ils ne bougent pas, ils sont là. Mais tout ça agit sur le système. Ça nous fatigue. Moi, j'ai les rapports. <laughs> Moi j'ai des sondages j'ai des trucs que je vois. Donc aujourd'hui, je suis là pour leur dire la vérité. C'est dans leur propre intérêt. Dites-leur que Zasso dit, c'est dans votre intérêt. Les 14 ans là, c'est vous qui êtes riches, c'est vous qui avez tout eu. Vous avez construit vos maisons, on se connaissait dans l'opposition. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus aujourd'hui des multimilliardaires, ce qui n'était pas à l'origine de notre combat. Notre combat n'était pas d'enrichir des individus, de faire des milliardaires. Notre combat n'était pas de laisser des gens venir, c'est-à-dire prendre tout en otage. Non, se nommer entre eux. Installer un tribalisme des de, de clans, des petits groupes de personnes. Non, à l'origine, c'est pas le combat du RDR À l'origine, c'est pas le combat du RDR Mais aujourd'hui, on a dévié. Ce combat. On a créé le RHDP, groupement de partis politiques. Le président Ouattara dit comme il y a beaucoup d'insuffisance, il faut créer le RHDP pour ne pas qu'on montre tant, tant. Il a créé le RHDP. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la forme, pardon, dans le fond, est-ce que le RHDP existe Mais le RHDP n'existe pas. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on est plus dans le RDR que le RHDP. C'est un petit groupe de personnes qui décident. C'est eux qui décident. Aujourd'hui, demain, là, ils sont pas contents de toi, ils t'enlèvent. S'ils sont contents de toi, ils te mangent. Si tu ne joues pas leur jeu, ça à dire si tu n'es pas dans leur logique, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et souvent même, quand vous écoutez certains de leurs militants, ils le disent souvent, quand, souvent même en voulant tellement répondre à Zasso, ils le disent. Il y a certains qui disent tu ne seras rien, comme si la Côte d'Ivoire est leur propriété privée. <laughs> tu ne seras rien au RHDP. Non. On est dans votre RDR cest à que votre RDR que vous avez imaginé, que vous avez imposé vous-même, mais c'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, ce système a trop d'insuffisance, trop de faiblesse. C'est ce que moi j'essaie de faire pour les interpeller. Aujourd'hui, on triche avec le président Ouattara. Ces opportunistes-là, ils trichent avec le président Ouattara. Parce qu'ils savent que le président a pris de l'âge. Ils savent, ils sont tous conscients. Ils savent. Ils savent que le président Ouattara, aujourd'hui, là où là, il y a des choses qu'il ne voit pas trop. C'est des gens qui lui font, qui lui font des, le point. Ce sont des gens qui font des rapports, mais ce sont des humains. Ils peuvent être corruptibles, ils peuvent jouer le jeu des gens. Mais la vision de Ouattara n'est plus leur priorité. Ils vont venir devant le président, ils vont dire, monsieur le président, ça va. Tout est bien, monsieur le président. Monsieur le président, on avait fait telle route, on avait fait ça. Alors qu'au temps de Félix ou Boigny, au fouille pensait qu'il y a des villages, c'était goudronné, c'était tout. C'est le jour où Fou a commencé à vieillir, qu'il a compris qu'il n'y avait plus de route, on n'avait rien fait. Alors qu'il avait fait confiance aux gens. Aujourd'hui, on confie, on donne des postes aux gens, on confie des missions, mais ce n'est pas surveillé, ce n'est pas suivi. On ne surveille rien, on ne suit rien. Et ça, ça doit être le travail du parti politique. Mais le RHDP même ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Moi, aujourd'hui, je vous dis et je peux même m'amener dans le feu, le RHDP, c'est un groupement d'hommes, c'est plus un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Regardez les nominations, la direction, regardez tout. C'est une famille qui contrôle. Nous on est là et puis on les suit, on est dedans. Mais ce n'est pas ça. Nous on, nous, on se bat pour l'avenir. C'est-à-dire que si demain le président Ouattara se retire, quelle sera l'avenir du parti Est-ce que le RHDP va exister Ce sont des questions que je me pose. Aujourd'hui là, je vous le juge, je touche du bois. Si quelque chose arrive, je suscite pas mais le parti là. Mais ça va se casser le parti va se casser parce qu'il y a des frustrations il y a des gens qui sont frustrés qui sont qui sont abandonnés les gens il y a des gens qu'on ne respecte pas alors que ces gens ont mené des luttes ils ont été au cœur des grandes luttes ils ont investi leur argent quand on investit c'est pour récolter quelque chose c'est pour avoir quelque chose quand on est dans un combat politique là c'est pour que demain tu aies quelque chose et que tes génération aient quelque chose on n'est pas dans un parti et puis dans un système et puis on va être toujours malheureux et on va se justifier non ce n'est pas, pas ça le combat. Le combat, ce n'est pas ça. Moi, je vis aujourd'hui dans des pays où je connais l'importance des partis politiques. C'est comme des entreprises. Aujourd'hui, vous partez dans tous les pays du monde. Mais les partis politiques sont comme des entreprises. Allez-y en Russie, Douma. Mais Douma n'est pas n'importe quel système. Le président Ouattara réfléchit, il dit RHDP. Mais le RHDP est où aujourd'hui? Ceux-mêmes qui sont quittés au PDCI, au FPI ne sont même pas considérés. Ils ne sont même pas considérés. C'est-à-dire, on prend des gens incompétents, des gens même qui n'ont pas de poids politique sur le terrain, et on leur confie des missions. Ils ne peuvent rien faire sur le terrain, ils ne peuvent pas. Moi, je suis dedans, je sais de quoi ils peuvent pas. Moi, les mettre, là, parce qu'ils sont des familles. Les liens de familiarité, les liens de ceci, les liens. De... Et on est dans ça. Là où on parle de l'avenir la, d'un pays, d'une nation, mais c'est le parti politique qui fait la nation. Le président Ouattara, il a été confronté à Bambo. Bédi est gay, mais comment il est arrivé là Mais il est fort. Il est fort. C'est parce qu'il est fort qu'il est arrivé là. En 2010, Bambo pouvait garder ce pouvoir. En 2010, Bambo pouvait garder ce pouvoir. C'est là que j'ai vu la force du président Lassam Ouattara. Partagez le direct. S'il vous plaît, partagez parce qu'on a été restreint. D'autres disent, non, Zassou, tu n'es plus sur Facebook, mais c'est à cause de ça, puisque c'est Facebook-là. Les pro assimi Goïta, les pro Ibe, les pro-Tiani, les gens de mon parti politique, l'opposition, tout le monde signale ma page. C'est pour ça que je suis allé maintenant sur Twitter. Parce que quand je parle, ils tremblent. Mais vous et moi, on a pris le même niveau. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, mais maintenant, je vis dans des grands pays, donc j'ai un esprit élevé. De la même manière qu'ils se fonctionnent là. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Voilà, moi, ce que je vois, c'est ce que je dis. Je ne suis plus dans cette méthode. Traditionnel là où on est un peu dans nos coutumes, dans nos régions là-bas, tradition où oui, on n'est pas de la même ethnie, on ne mange pas ensemble. Si tu n'es pas de notre religion, on te bannit. Est... Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, moi, je suis pas dans ça. Ici, c'est la compétence. Est-ce que tu peux faire l'affaire Si tu peux faire l'affaire, on te positionne. sur le plan, c'est ça. Regardez les, les, les championnats européens. Regardez, le, regardez comment les choses bougent au monde. On choisit ceux qui sont compétents. Même si c'est ton adversaire, qui est compétent, il peut faire l'affaire on le prend on dit viens t'asseoir. Tu vas travailler pour le parti. Mais c'est ça, puisque dans le parti, il y a des insuffisances. On ne peut pas vouloir atteindre des objectifs ou émergences avec des gens qui, qui, qui ne fonctionnent, qui, qui ne font pas l'affaire, qui ont des insuffisances, des faiblesses. Si le président Ouattara aujourd'hui a réussi à s'imposer à ses adversaires, c'est parce qu'il il a connu ses adversaires. Il a été premier ministre, il a étudié leur mentalité, leur comportement, comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils respirent. Il a tout étudié. C'est pour ça que Babo n'a pas, pas pu vaincre Ouattara. Bédier n'a pas pu. Gaye n'a pas pu. Ils sont smart man. De preuve nette, Ouattara, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a su étudier ses adversaires. Il a su connaître ses adversaires. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat où ceux à qui on a tout confié, ne connaissent même plus leurs adversaires. Aujourd'hui, la Bédie est décédée. Ils ne pensaient même pas que Bédie allait mourir. Vous voyez comment Souvent, je vous dis toujours que nous sommes des humains. Ce que nous pensons n'est pas seulement que ce que Dieu pense. Quand je vois souvent des gens qui menacent, je dis, Hey, ce que Dieu pense là n'est pas ce que nous, on pense. Moi, Zasso, matin, on peut vous dire Zasso est parti. Moi, j'étais là un matin, le lendemain, j'ai parlé à mon papa. Je me réveille maintenant, on dit ton père est décédé. Alors que j'ai parlé avec lui à, à la veille, on a bien ri. Donc moi, je sais que je suis un humain. À un certain moment donné, on ne sait jamais. C'est pour ça que quand je parle, je suis honnête, je dis les choses de façon sincère. Je dis mes choses de façon sincère. Je n'ai pas besoin de mentir. Parce qu'on est des humains, on est venu et puis on va partir. Et oh, le pouvoir, là, on peut être là. pendant ses cinq ans. Après, est-ce que Babou a pensé qu'il allait partir Les pro -babou là, est-ce qu'ils ont pensé qu'ils allaient partir est-ce que Soro a pensé qu'aujourd'hui, il pouvait être aujourd'hui au Mali, au Burkina, partout, se promener dans l'AIS Mais c'est des gens qui se disaient "j'étais étaient puissants, ils étaient forts, ils étaient ceci. Quand on a la tête des systèmes, il faut être humble. Parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient au peuple. Quand on est militant, il faut contribuer à construire. Quand les gens viennent vous parler, écoutez les gens. L'opposition, ce n'est pas nos adversaires, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, c'est pour ça qu'on les appelle les opposants, ce sont nos frères. Il faut écouter, il faut argumenter, il faut les sensibiliser parce que nombreux d'entre eux ne sont pas forcément des hommes politiques. Mais c'est ça. Quand on vous parle, vous dites, ah les gens sont comme ça. Ils, ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas voir souvent, mais vous les traitez de prosoros. Non, ils sont souvent tiamis, ils sont saisis, ils sont vendus. Quand je dis des choses qui ne sont pas d'accord avec moi, Zasso est vendu, mais moi je vis en Europe. Moi je vis dans des pays où ce que vous dites là, ça n'existe pas ici. On dit tu as trahi. Tu as... Ici, ça n'existe pas. Parce que ici, là, tu perds aujourd'hui dans un parti politique. Si ça, ta, le, la vision ne te convient pas, tu vas ailleurs. Et ils s'en foutent. Ta femme et même un PDCI qui est là, et puis vous vous accrochez, puis vous combattez. Et puis le soir, vous retrouvez, vous mangez. Vous, toi et ta femme, vous vous embrassez, et puis la vie continue. Ce n'est pas chez nous où on a l'air d'être encore à en, en, en temps de la préhistoire. Où on est encore sauvage. c'est pas dans ça. Et ils ne sont pas dans ça. Les enfants, ton propre enfant là, il est dans un autre parti politique. Ton propre enfant, il a son parti politique. Toi, le papa, tu vas à droite, l'enfant va à gauche. Tu vas à droite, l'enfant va à gauche. Mais c'est la démocratie. C'est ça, la démocratie. Partagez le. Aujourd'hui, là, on, est, on, est, on, a, on a un problème au RHDP. On refuse de construire le parti. On refuse d'écouter les gens. Les gens pensent que c'est un acquis. Rien n'est acquis. Moi, je vous dis la vérité. De toute façon, les gens ont menti à Babo, là. Moi, je ne vais pas mentir au président Ouattara. De toute façon, les gens ont menti à Babo, là. Nous, on sait, moi, je ne vais pas mentir au président Ouattara. Venu faire des faire croire au président Ouattara que tout va bien. Moi, je ne vais pas dire ça, je suis vraiment désolé. Je serai honnête avec hein, le président, je dirai au président qu'il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui n'ont pas mangé hier soir. Il y a des gens qui ont des projets, n'ont même pas financement. Il y a des gens qui veulent faire ça. Le président peut régler ça. Là où il est à la présidence, là. Dans la Bagoué, là. Dans beaucoup de villes. Quand les, les présidents des conseils régionaux ont des budgets faibles, mais le président Ouattara augmente leur budget parce qu'il sait qu'il y a des faiblesses. Donc, s'il y a des choses qui ne mangent pas, Mais on doit, lui dire, on doit lui dire que, président, il y a des productions qui ne fonctionnent pas. Le parti ne fonctionne pas. Le parti est arrêté. Le parti est arrêté. C'est Kafana, c'est Ameloto, c'est Siseba Congo, c'est Bitogo, c'est Tene Ibrahim. En fait, ce sont ces aînés-là qui gèrent le système. C'est des aînés au RDR qui, qui pouvaient écouter, qui parlaient avec les gens. Moi, bon, aujourd'hui, je ne parle pas avec hein, les gens. y choses à des aînés avec qui on ne peut plus parler. Ils ont oublié qu'on était au RDR. Moi, quand je les appelle, dites-leur que ça se dit, quand ils vous appellent là, c'est parce que vous avez été au RDR. C'est juste pour vous rappeler que il ah, y a un problème ici, il y a un problème ici, il y a un problème ici. Quand je dis je vais les voir, c'est pour ça. Pour dire que quand on était au RDR là, voilà ce qu'on disait, voilà ce qu'on disait. Les Touré Mamadou l'a dit leur ça. Qu'elles dit c'est juste pour vous rappeler qu'il y a des problèmes. Parce qu'on est au pouvoir, on a l'appareil de l'État. On n'est plus dans l'opposition. Ce que les gens oublient, on n'est plus dans l'opposition, on est au pouvoir. Ce que l'opposition fait la c'est à droit, c'est tout à fait normal. Nous-mêmes on a fait ça. Nous-mêmes on a fait ça. Nous on est au pouvoir, on n'est plus dans l'opposition. Nous sommes là pour régler maintenant les problèmes. On n'est pas là pour menacer, insulter, injurier, humilier les gens. C'est pour ça que ça ne doit pas être notre combat. On doit, être, on doit écouter les gens. Les Jumani, les, les absos, comme on appelle ça, les Alsi Djedje, les Daopole, tous ces gars-là sont quittés au PDC -RDA. Ils ont laissé Bédia. Et ils ont soutenu le président Ouattara. Vous voulez dire qu'ils ont aussi trahi Ils n'ont pas trahi. Ils ont fait un choix, à un certain moment donné, de l'histoire. Ça veut dire que le choix, c'est la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas trahi. Ces cadres-là n'ont pas trahi. On a créé le RH depuis 2005 parce qu'il y avait des faiblesses. Il fallait maintenant rattraper cela. Au RDL, on a eu 32%. Bédi a eu 25%. Si Bédi avait eu 32%, c'est Bédi qui devenait président. C'est lui. Le RDL allait donner sa voix à Bédi. Donc, on a échangé. On a changé. Nous sommes la même famille. PDC et PRDS, c'est la même famille. Parce qu'on a commencé depuis 2005. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les intérêts. C'est parce qu'on ne s'entend pas sur certains intérêts. Il y a ceux qui veulent manger beaucoup. Il y a d'autres qui disent, nous aussi, on veut manger beaucoup. Puis c'est de bonnes guerres. <laughs> Chacun veut sa part. C'est dans ça, ce qui nous a divisés. Ce qui nous a divisés, Bédi est parti ailleurs. D'autres sont restés là. Mais ceux qui sont restés là, avec le président Ouattara, qui ont tout donné. Ce sont des hommes qui apportent beaucoup, mais ceux-là, il faut les considérer, il faut les mettre là où... Ça dit, on ne doit pas... Ça dit, nous, le RDR, nous avons été au RDR. Arrêtons de tout prendre. Arrêtons de tout prendre. Ça dit, on a tout confisqué, on a tout pris pour nous seuls. Mais ce n'est pas bon. C'est de l'égoïsme, ce n'est pas, pas de la politique. C'est de l'égoïsme. On pense qu'à nous, on pense qu'à nos clans, on pense qu'à nos familles. Mais ce n'est pas bien. À nos réseaux. Mais est-ce que vos réseaux, là seuls peuvent voter le président Ouattara? Ce que vous faites là, le camp Babo l'a fait. Il y a tellement eu des clans, des roseaux au camp de Babo. Mais le premier tour, là, il, a eu, il a eu les résultats. Les Bregoudéchal ont fait des meetings, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, les Gakouricha, les Simon Babo, les Damana Pika, c'était plusieurs mouvements politiques. Mais au premier tour, le Babo a eu combien de résultats Il a eu 38%. Il a été trahi. Parce qu'en réalité, les gens ne travaillaient pas. Ils s'enrichissaient. Les, les refondateurs étaient les hommes qui mangeaient. Ils savaient, eux, hey, ils mangeaient leur famille. Ils dorment, ils respirent bien. Et puis, nous, on était stressés. Quand Babou était au pouvoir, on souffrait. Hein? On était stressés. Quand tu vas vers eux-mêmes, là, tu poses des problèmes. Ils ne t'écoutent même pas. Alors qu'en 2002, on est tous descendus dans la rue. Quand il a la rébellion de 2002, là, nous, tous, on est descendus dans la rue, on a donné nos vies. Nombreux de nos amis sont morts. Maintenant, qu'ils ont pris le pouvoir, on dit, bon, donnez-nous aussi à manger. Ils ne veulent pas. Et, ah, vous êtes des traîtres. Vous êtes vendus, vous êtes comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça aujourd'hui les militaires HDP se comportent. Ça dit ceux qui mangent là, c'est eux qui nous accusent de traite. De vendus, parce qu'eux, ils mangent, ils sont rassasiés. Des opportunistes comme ça, c'est eux qui nous accueillent de traite aujourd'hui. Ça, c'est des vrais opportunistes. Ils sont en train, ça dit qu'ils sont en train de fermer nos yeux. Ça dit tellement qu'eux là, ils sont devenus gourmands, ils mangent, ils ferment nos yeux, nous on n'a plus rien à dire. Nous, on a qu'à se taire. Mais un matin là, quand on va se réveiller, il se fera ta. Il se fera tard. Regardez aujourd'hui les réponses apportées aux adversaires à Tiem. Je leur ai dit c'est travailler. Quand Babou est venu, Babou allait à Beauville. Dès que Babou est quitté à Beauville, le lendemain nos cadres sont allés faire meeting. Ils sont allés faire meeting. Aujourd'hui c'est Tiem. Thiam va à Soubré au lieu de s'asseoir pour dire ah Thiam allait à Soubré. Cette mobilisation qu'on a vue là, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'un parti il faut penser. Il faut toujours anticiper. Thiam va à Soubré. Thiam mobilise à Soubré. Moi, je connais la place où Thiam a fait son meeting. Je connais la place. Il a mobilisé du monde. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et puis on réfléchit. Ça veut dire que c'est un signe que Thiam nous envoie pour dire qu'en réalité, et quand il arrive dans son discours, il parle d'indices de développement. Mais moi je vis en Suisse ici, je sais ce qu'on appelle l'indice de développement. Quand Tiam m'a parlé, mais j'ai ouvert mes yeux rapidement, j'ai appelé, j'ai fouillé rapidement, j'ai tout compris rapidement. Tiam me dit, Soubré là. Soubré, il y a combien de collèges à Soubré Tiens dit à Soubré, le taux de mortalité est élevé. Les gens aujourd'hui ne vivent pas. Tiam dit ça. A a dit, mais Tiam est un fonctionnaire international. Tiens, il a la dimension du président de la Sano Ouattara. Ce n'est pas n'importe qui. Je suis désolé, mais je vais parler à certains cadres. Parce que eux, là, quand tu parles, ils n'écoutaient pas. Vous voyez, le temps vous a rattrapé. Zasso arrive à Bidjan, il vous appelle, on va s'asseoir, on va réfléchir, on va parler. Vous pensez que vous étiez arrivé. Voilà, il y a une opposition en face de vous aujourd'hui. Mais vous allez courir. Moi, Zasso, je vais m'asseoir, je vais me reposer. Je vais me reposer. Parce que je vous ai trop parlé. De la manière qu'on doit parler aux gens. Je vous ai parlé. Mais quand vous pensez que nous, nous sommes vos adversaires, vos ennemis, nous on n'a pas de problème, on vous regarde. Vous payez des gens pour nous insulter parce que seulement vous n'êtes pas convaincants. Vous n'avez pas d'arguments. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous payez les gens. Vous avez créé votre club. Pro-Amadougo, Pro-Ahmed. On dit ça dans Pro-Ahmed. Donc moi, vous m'avez classé. Moi, je n'ai pas de problème. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée par les terroristes, par les pushistes de l'AUS, je, je prends ma caméra, je fais ce que je veux faire. Si le président Ouattara est candidat en 2020, je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai fait sa campagne. Le jour où il dit les candidats, je vais, je vais faire sa campagne. Mais vous, les cadres, là, on va courir. On va courir. On va courir. Ça, je vous dis la vérité. Parce que le système que vous avez instauré, là, ça détruit le parti. Un parti politique, on a siège. Quand tu arrives même, tu ne sais même pas où tu vas aller te demander. Mais en Côte d'Ivoire, là, ça fait 14 ans nous, au pouvoir. Les Ivoiriens, là, la jeunesse, là, le taux de, comment on appelle ça, le taux de jeunes qui travaillent est élevé à combien dans, À Gagnon, il y a combien de jeunes qui ont eu des financements À Daloa, à Corogo, à ici, à partout Tu ne sais même pas à qui tu La vie de la jeunesse même, tu ne sais pas à qui. Combien d'Ivoiriens qui sont devenus opérateurs économiques, des hommes d'affaires, des jeunes Ivoiriens, là, dans, ils sont où dans? Il n'y a rien. On était dans l'opposition on a dit sous Bambou que oui, en Côte d'Ivoire, le commerce est au maire des étrangers. Mais on avait dit ça, moi j'ai dit ça. Aujourd'hui, les étrangers contrôlent le commerce, ils ont tout pris. Arrivé dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, les boutiques, les quoi quoi quoi, aujourd'hui, ça, ça appartient aux étrangers. C'est eux qui sont devenus des opérateurs économiques dans notre pays. Vous partez au port, le port là, pour qu'aujourd'hui un Ivoirien importe le poisson. Il faut avoir 200 millions comme capital ou caution. Mais aujourd'hui, là, c'est les Maliens là, qui ont ça. C'est les Sénégalais, c'est les Libanais, c'est eux qui sont dessus. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens. Et quand je vais dans le pays, je leur dis mais, mais à faire du port, là, il faut qu'on revoie. On ne peut pas lever combien de milliards pour mettre à la disposition des Ivoiriens pour dire aujourd'hui, le port, là, voilà l'objectif qu'on peut atteindre. On va vous donner le port. On ne peut pas faire ça. C'est les Maliens qui sont là-bas. C'est les Sénégalais, c'est les Burkinabés. Alors qu'au Sénégal, aucun Ivoirien n'a le droit d'importer poisson. Il n'y en a pas. Au Burkina, là, c'est les Burkinabés qui ont leur économie. Au Mali, c'est les Maliens qui sont les opérateurs économiques. Immobilier, tout, ce sont eux. En Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui sont partout. Nous, les assos, là, on a vu dedans, on a pris des choses ici. Mais tu vas aller les voir à Bidjan pour dire, ah, permettez-moi d'avoir un capital pour investir. Ils ne vont pas le faire. Vos cadres sont méchants. Vos gens qui sont au RDL, là, c'est des méchants. Je vous dis ça toujours. Ils n'ont aucune vision. Ils traitent plus avec les gens de la CDI que leurs propres frères ivoiriens. C'est une vérité et je le dis, je le ils savent pourquoi ils ne veulent pas que je raconte le président. Mais le jour, je vais raconter le président. Je vais dire, monsieur le président, les Ivoiriens n'ont pas encore eu leur place dans le pays. Les Ivoiriens n'ont pas encore eu leur place. Aujourd'hui, là c'est la CDAO CDA qui gagne. Nous, on ne gagne rien. Malgré tous les financements, tout ce que vous avez fait, vos cadres la font des business avec les autres. Parce que eux là, c'est leurs intérêts. L'intérêt général, l'avenir de la Côte d'Ivoire, n'est plus leur priorité. C'est leurs propres intérêts. Vous allez au point aujourd'hui, les importateurs de poissons sont des étrangers. Mais ce n'est pas normal. Comment le poisson peut pas être cher? On dit la vie est chère, mais c'est normal parce que la plupart de vos systèmes sont contrôlés par les étrangers. Les importateurs de riz sont les étrangers, les poissons sont les étrangers. Café, cacao. Ceux qui achètent les cafés, les cacao de nos parents sont des étrangers. Mais pourquoi? Pourquoi? Depuis combien d'années et j'en parle, on fait comme si on ne m'attend pas. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Les Ivoiriens doivent avoir le monopole sur leur économie. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait le Ghana. Moi, j'ai fait le Ghana. Au Ghana, leur pauvre. J'ai dit, l'État a donné l'argent. L'État dit, on les a formés. On dit, ici, là, c'est vous, ici. Vous arrivez à Trècheville aujourd'hui. 90% des boutiques appartiennent aux étrangers. Allez-y en Côte d'Ivoire. Allez-y au Sénégal. Combien de Sénégal, combien d'Ivoiriens qui ont des boutiques au Sénégal Combien d'Ivoiriens on n'a rien changé. Et le parti assis là, le parti assis là, les gens ne réfléchissent pas, les gens ne proposent rien, ils sont assis là, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Moi, j'ai écouté la fois dernière Stanislas Zézé, Stanislas Zézé qui dit que les peuples font 23% de notre économie. Mais ce n'est même pas normal. Les moins petits. Alors que le président Ouattara a lutté pour permettre à la jeunesse d'être autonome, c'est-à-dire les jeunes ivoiriens doivent faire les affaires. On aujourd'hui l'administration, a tout. Créer les petits emplois des jeunes et puis les organiser pour qu'ils aient des bons petits salaires, là, ça va nous faire quoi? Aujourd'hui, là, tous ces petits étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils font sortir des milliards. Les gens, c'est des milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire et qui vont dans les autres pays. Et puis le jeune, le jeune Ivoirien, là, on n'a pas de travail. On n'a pas Comment vous n'avez pas de travail, pas de travail <laughs> Il y a trop de boulot dans votre pays. Comment vous ne pouvez pas avoir du travail Il y a trop à faire. Il y a trop à faire dans le pays. Mais il faut des gens qui s'assoient, qui réfléchissent. Aujourd'hui, à Gagnouan, ou à Ghanoua, vous arrivez à Gagnoua, il n'y a rien à Gagnon. Comme si ça ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à Gagnon. Toutes les entreprises à Gagnon sont tombées. Aucune politique pour élever les gagnouas. Il y a une ville où il y a cacao, il y a café, il y a EVA, il y a bois, il y a tout. Les CIB là, tout est tombé. Il n'y a, a rien eu pour élever les entreprises de Gagnon. Rien. C'est pour tout ça ils ne veulent pas que je raconte le président Ouattara. Ils savent, ils me connaissent, parce que je vais dire au président que dans le programme du président, dans l'opposition, il y avait Gagnon Didan. Les milliards qu'on a provis pour Gagnon, là, je connais. Je connais. Moi, je me suis investi aussi pour ma région, mais ma région aujourd'hui a eu quoi Rien. Rien. On a combien de cadres Alcide Djedje, qui était le seul cadre à Madou, Ahmed Bakaliko, s'est battu, qu'on a mis là. On l'a mis pour le mettre même au ministère de l'intégration. C'était tout un tas de palabres. Je vous ai dit ça dans ma vidéo hier. Un jour, c'est l'aspect qui m'appelle pour dire à petit frère, finalement, comme tu as trop parlé, on va faire de ton frère ministre. J'ai dit, hé, hey, il y a quoi vous Ils l'ont mis ministre, il n'a même pas duré. Quand il est arrivé à l'intégration, le port sec que vous avez vu à chose là, à à, 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 à à vous, voyez, à faire que là. Dix ans, on cherche financement pour faire le port sec. Dix ans, les gens cherchent financement pour faire le port sec. Ils n'ont pas eu. Assis, ah, si, Jédia a pris le port, il a pris le ministère de l'intégration. Il s'est arrangé, ils ont eu des milliards, des centaines de milliards. Il allait dédommager les gens. Maintenant, où on doit rentrer dans les marchés, les financements, on dit qu'il faut quitter. Ils l'ont enlevé, on dit c'est un bété, il n'a qu'à aller là-bas. Ils n'ont pas confiance au BT. Comme c'est l'argent, ils ont enlevé Asi. Quand j'ai dit ça, on dit mais je vais leur dire la vérité chaque jour, que je leur dirai ça. Dites-leur que Zasso dit il vous dira ça parce qu'il a mené le combat du RDR. Il vous dira ça. Ils ont enlevé Assis de Dieu sans explication. Je leur dis, ai dit, mais vous l'avez enlevé pourquoi J'ai dit non, c'est à cause du penser que vous l'avez vous enlevé parce que là-bas, c'est des milliards. Si Assis de Dieu là-bas, là, peut-être que les marchés là, ils peuvent donner. Peut bon, c'est pour ça que vous l'avez enlevé. Je leur ai dit ça ouvertement. Et Ils ont dit, là, vous n'allez pas me convaincre parce que je vous connais. Là où il y a l'argent, là ça doit être pour vous. Tout ce qui est l'argent, là ça doit être pour vous. Les autres n'ont pas le droit. Mais les autres ne sont pas vos ennemis, ce sont vos frères. Ce sont des Ivoiriens. Si vous ne faites, vous ne les rendrez pas forts. Mais comment dans leur région ils seront considérés? Vous dans vos régions, vous êtes trop. Il y a trop de riches dans vos régions. Le, le pouvoir vous a tout donné. Et un jour j'ai dit au grand frère, faire Amadou Gonk avant qu'il ne décède, J'ai dit au grand frère, ah les nominations, là, mes frères du Nord, là, ils ont trop de postes. Pourquoi les autres aussi renforcer leurs postes? Il a dit à Zassou, on va voir ça. J'ai dit non, mais voyez ça. C'est comme si on était encore dans le rattrapage ethnique alors que le temps de rattrapage ethnique est passé. On a pris le pouvoir, on a été redevable aux gens. On leur a déjà tout donné, c'est bon. Il faut maintenant penser aux autres. Dès qu'on a pris le pouvoir, là, oui, il y a eu des choses... On, on, oui, on, mais à un certain moment donné, il faut se réveiller. Il faut donner aussi la chance aux autres. Mais ils ne veulent pas donner la chance aux autres. Les autres vont les suivre. Les autres vont être en bas d'eux. Les autres vont se coucher en bas d'eux. Les autres vont... Mais attendez, arrêtez Ce n'est pas l'esprit du président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas comme ça. Mais c'est ces hommes-là, c'est eux-là, leur groupe-là, c'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Mais vous aussi, donnez là des conseils. Comment moi Je parle là. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous arrivez chez moi aujourd'hui, 2020 là, je vais, 2025, je vais aller vers campagne là. Ils vont me regarder comment Je vais aller vers campagne. Bon, oui, vous allez voter. T as, t as, on va dire, mais toi là, tu viens parler là. Ça fait combien de temps que tu étais au RD tu as fait combien de temps tu es RHDP Tu veux nous parler là On dit quoi Tu as fini de parler, ils vont te poser des questions. On dit oui après. Tu as fini de parler après. Parce que quand tu parles, il y a des idiots là, des courroux là, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, au nom là, quand mes frères s'en vont là, mais quand ils vont là, ils sont bien chargés. Ils sont bien chargés, c'est pour ça là. Ils se piétinent là-bas. Non, chers amis, ce sont des vérités. Je ne suis pas contre eux, mais c'est la vérité que je leur dis. C'est la vérité. J'ai dit hier, j'ai dit, regardez le Sénat. Mais le Sénat, là, on pouvait donner ça à Djumani. Ou on pouvait donner ça à Sodao Daoupolé. Ou on pouvait donner ça à Alcide Djedjé. Si Adama bute au goût à l'Assemblée nationale, mais le Sénat, là, on donne à quelqu'un d'autre. Yopougon, là, on peut donner à un ébrié. Faisons la politique parce que 2025, ça dit que ne nous battons pas parce qu'on veut être fort. Battons-nous parce qu'en 2025, on veut que plus d'Ivoiriens votent pour le RHDP. Parce que c'est le parti, c'est l'avenir du parti qu'il faut préparer. Mais on ne peut pas préparer l'avenir avec une seule communauté, avec un seul clan ou avec des groupes. Il faut le faire crier avec les autres et puis il faut faire confiance aux autres. C'est ça que c'est l'esprit que Zasso parle. Regardez aujourd'hui nos cadres. Quand je dis, nos n'ont qu'à changer leur méthode. Mais regardez la communication face à Tian. Regardez leur communication face à tiers. Je suis désolé, mais j'ai écouté la fois dernière, le ministre Touré Mamadou. Il a créé un espace à Dalwa, je ne sais pas, pour répondre à Tiam. Mais j'ai été quand même choqué. J'aime allé à Soubré, il parle d'indice de développement. Et de Soubré, il dit que n'a pas de route, Soubré est ceci, Soubré est cela. Mais ce qu'il a dit là, Dila mais, vous prenez Bic, vous partez, du, vous prenez votre en encore quelques mois. On peut déjà lancer les chantiers. Oui, on a compris ce que Thiam a dit, mais compte tenu de ça, compte tenu de ça, compte tenu de ça. Mais on ne peut pas le banaliser comme s'il si n'est rien. C'est-à-dire que je suis triste. C'est-à-dire que les gens parlent quand j'écoutais Touré. mais je dis mais, mais est-ce que Touré sait de qui il parle Thiam là, Thiam de qui il parle, est-ce qu'il sait de qui il parle J'ai dit ça, j'ai dit à quelqu'un, mais j'ai dit dis, ton ministre Touré Mamadou, que Thiam dont tu parles, est-ce que tu sais de qui tu parles c'est un fonctionnaire international, c'est un haut cadre, très compétent, qui a réussi sa vie. Il n'a pas faim, il n'a pas de problème. Il vient, il, a, il est très respectueux du président Lassane Ouattara. Si il devait être notre premier ministre. C'est parce que les négociations n'ont pas marché, sinon il serait aujourd'hui notre premier ministre. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un haut cadre. Donc quand il va s'ouvrir dans la zone de cacao, c'est le cacao là qu'on dit en Côte d'Ivoire, qu'on dit la Côte d'Ivoire le premier producteur. De cacao dans le monde là. Mais c'est les soubres là. C'est les gagnants là. C'est ces régions là qui font café-cacao. C'est dans ces régions là qu'on fait café-cacao. Donc quand tu as dit il n'y a pas route, mais on doit s'énerver. On doit se battre pour dire ah, on t'a compris. Tu as raison. Mais voilà ce qui a fait ça. Voilà ce qui a fait ça. Mais c'est quand même bien. Mais quand on dit oh, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Oh, c'est un arriviste. tu aimes là-bas. Et puis je suis là, je dis mais qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Souvent, je me dis, mais ils font sa campagne. Depuis qu'il est venu, vous faites sa campagne. Alors que le président Ouattara a un bilan indiscutable. Il a un bilan indiscutable. Argumenter, parler, essayer de rassurer, essayer de convaincre. Vous-même, vous pouvez chercher à convaincre Thiam sur certains points. Mais quand on vous dit qu'on est dans un parti-là, asseyons-nous et essayons de se parler. Souvent, il y a des problèmes sur l'économie, sur la justice. Si les peu, si ça. Mais quand tu appelles les cadres, on veut comprendre ça, on veut comprendre ça. C'est parce qu'on est dans le parti qu'on vous appelle, qu'on veut comprendre. Pour avoir plus d'arguments, des éléments, des chiffres, c'est cela. Et nous, ça nous aide dans notre débat. Mais les gens ne nous écoutent pas. Ici, chez les Blancs, là, quand tu fais la politique, tu dois avoir tous les détails. ils se retrouvent, ils se parlent. Moi, je suis avec eux. Je sais comment ils se comportent ici. Chez nous, là-bas, ils vont t'insulter. C'est-à-dire que des militants, des gens. Attends, là, te Où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va? Tiens, me dit, il y a combien de collèges? Il y a combien de collèges à Soubré? C'est dans la zone, il n'y a pas route. Mais, mais attends, mais c'est un message qu'il nous envoie. C'est quelque chose qu'il nous dit parce qu'on a eu assez de faiblesse. L'argent que le président Ouattara fait rentrer en Côte d'Ivoire. Quand on me dit que les Soubrés, les gagnants n'ont rien, je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Il a, il a, les gens vont nous parler. Ils vont nous parler, hein? ils vont s'expliquer. Ce que le président Ouattara a fait. Euh, après, vous faut boigner. C'est notre deuxième chance. Après, vous faut boigner à la salle Ouattara, c'est notre deuxième chance. Chers amis, c'est notre deuxième chance. Il a réussi à stabiliser la Côte d'Ivoire par ses réseaux ces relations il a tout fait soubré gagnant lakota divo ces régions là doivent avoir moi je suis allé dans des régions du nord j'ai dit j'ai parcouru des voies j'ai dit quand tu vois les routes là c'est des boulevards de belles routes tu peux passer une journée c'est deux voitures tu peux passer une journée sur deux voitures. Mais ces route-là, pourquoi on n'a pas fait à Gagno? Parce que les gens n'ont pas été tellement justes, honnêtes avec eux-mêmes. Ils croyaient peut-être faire du mal aux autres peuples dans leur culture. Vous voyez maintenant que Thiam utilise ça. Tia utilise ça. Quand on parle, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes. Comme si c'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez créé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. On n'a pas tous été honnêtes. C'est pour ça qu'on se retrouve là partout, honnête. On a tous mélangé les choses, on a été un peu on a été... Tout ça parce qu'on voulait le pouvoir. Au lieu de chercher à écouter les gens pour trouver des solutions aux problèmes, pourquoi on avance Ils vont s'accrocher là, à former des petits individus illettrés là, sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas politiques. Ils vont venir faire des posts à la con, des commentaires à la con, des gens qui n'ont aucun niveau. C'est nous, on va parler, essayer, tu vas venir commenter. Regardez-moi ça. Mais nous, nous sommes des intellectuels. Tiam était un haut fonctionnaire. Où le président rentre là, c'est là-bas, Tiam rentre. Thiam est, est l'un des personnalités en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu le Covid, qui a perdu son fils dans Covid, là, en Europe ici, dans le monde, là, on lui a donné. Il a pris jet privé, il est rentré aux États-Unis. Ils ont levé toutes les barrières des choses. On dit Thiam, il faut rentrer. On dit qu'on n'a qu'à détruire Tiam je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, après le président Ouattara a besoin des générations. Bien formés, qui ont des réseaux, qui ont des relations. Non, moi, je ne peux pas combattre Thiam. Si des questions, on peut être sur par des... rapport On peut se parler, je peux donner une opinion, peux... on peut débattre sur les chiffres et je peux apprendre. Mais je ne peux pas venir dire Ah, il n'est pas Ivoirien. Tiens, là, c'est un opportuniste. Thiam, ce n'est pas un argument. C'est faible, Ces genre d'arguments ne tiennent pas. Quand Thiam a soubré, puis il parle de café, cacao, il parle de cacao et il parle de soubré, mais Thiam sait ce qui se passe. Il dit, qu'il n'y a pas école, il n'y a pas route, mais James s'adresse au monde entier. Ce n'est pas à vous là, il parle. Il parle aux décideurs du monde. Diem parle aux décideurs du monde. Quand il dit, il n'y a pas de café, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, mais il parle aux décideurs du monde. Dire que le président Ouattara a nommé des hommes, mais ces hommes-là n'ont pas travaillé dans ces régions. Ils ont fait de la discrimination. C'est ce que dit. Oui, le président Ouattara a lancé de grands chantiers. Lui-même, il reconnaît le travail du président Ouattara. Tiens, me reconnaît que le président a travaillé. Mais le vrai problème du président Ouattara, c'est son entourage. C'est ses hommes à qui il a tout confié. C'est eux qui nous fatiguent. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui le vrai problème de notre système. Sinon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est ceux-là qui sont. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Brave -tier. oui, mais Brave qui vous a donné le pouvoir. Il vous a tout donné. Qu'est-ce que vous préparez Vous ne préparez rien, vous n'êtes pas solidaire, vous êtes divisés. J'ai entendu même le ministre Amédé. Kouakou. depuis, je l'ai vu organiser. Il était d'abord à Guillo. Quand Thiam faisait de Gayo, il est venu à Divo. Il a fait un gros meeting. Comment vous pouvez faire des meetings, dépenser des millions sur des millions On fait un meeting, on prend pratiquement 40 à 45 minutes pour parler du Tiam. Et j'attends le grand frère dit que lui s'en fout d'indices de développement. Lui s'en fout de ça. On s'en fout. Eh, hey, grand frère, il ne faut plus dire ça encore. Il ne faut plus dire ça. Parce que c'est important. Vous êtes des cadres d'un parti, vous devez vous asseoir pour dire qu'il y a urgence. De la même manière que le président Ouattara arrivé autant de bédiers, autant de babos de Si tu au autant de babos, c'est comme ça que Thiam arrive. Donc, vous ne pouvez pas banaliser ses propos. Faire comme si vos militants là sont allés à l'école. <laughs> <Et> là. <laughs> Quand c'est le meeting, ils il connaissent les gens des problèmes. Donc vous pouvez aller les chercher dans des cas, aller à Gagnois, aller à Bidjan, aller à choses, et puis les envoyer, ils vont venir s'asseoir, ils vont vous écouter. Mais quand ils arrivent, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. C'est pour ça qu'il est important, quand on dit au cadre, asseyons-nous pour parler là. C'est pour ça. C'est pour tout ça, vous voyez. Ils posent des problèmes auxquels vous n'apportez pas de réponse. Il parle d'indices de développement. Il parle des routes. Il parle des écoles. Il parle de ceci. Il parle de même de taux de mortalité à Soubris. Mais trouvez des solutions. Il dit, il n'y a pas des hôpitaux. Les gens, ce sont nos parents qui achètent leur café cacao. Mais quand Thiam dit ça, dites à Thiam qu'aujourd'hui, le café et le cacao, l'État met un système et que les vrais acheteurs sont des Ivoiriens. Et dans les champs, là les paysans, là, payent ça au vrai prix. Mais dites-lui ça. Mais vous ne dites pas ça. Qui achète le café cacao en Côte d'Ivoire nos matières premières, même en accord, qui achète Je vois même en de nos parents qui sortent, qui rentrent au Ghana. Et on achète ça à des prix dérisoires. La souffrance de nos parents, on achète ça à des prix dérisoires. Et les cadres sont assis là. Aucun système pour mettre fin à tout ce désordre. Il y a, il y a rien n'est planifié dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ici, tout est planifié. En Suisse, ici, tout est planifié. Il y a des hommes pour ça. Chaque jour, ils sont sur le terrain, ils sont dans le parti politique. Chaque deux mois, chaque trois mois, ils vont rendre des comptes. Ils vont faire des rapports. On ne fait pas les rapports qu'au président, mais sur le parti. Parce que c'est le bilan du parti. C'est le parti qui est au pouvoir. C'est le parti qui est au pouvoir. Allez-y dans les régions Anaka de nos, nos parents. Ils ont des hectares d'Anaka, ils sont pauvres. Pourquoi Le paysan doit être riche. Le paysan, le paysan. Mais je suis fils de paysan. Mon papa a deux, deux hectares. Pourquoi je veux être pauvre Mon père peut m'employer. Ici, la légion ont des fermes. Des petites fermes, ils emploient leurs propres enfants. Mais tu vois le salaire de leurs enfants, mais tu es étonné. Il ne laisse même pas son enfant aller travailler ailleurs. Lui-même, il emploie son enfant. Les bœufs, les poulets, les quoi que. Mais ce sont les propres enfants qu'ils emploient avec leur femme. Moi, j'ai ma femme. Mon papa me propose mieux. Qu'est-ce que je m'en foutre ailleurs en Europe Je vais pas aller. Je vais faire quoi en Europe Mon papa même me propose que ça. J'ai une belle maison. J'ai pu avoir crédit pour payer une belle voiture que je vais prendre avec ma femme pour se promener. Mais attendez, je m'avais vais chercher quoi ailleurs Je m'avais vais chercher quoi ailleurs Mais faisons des propositions. Soubret, des paysans sont riches, ils n'ont même pas de maison. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont même pas de logement, ils ne savent même pas vous dormir. Alors que c'est des grands planteurs. Ils vont finir leur récolte, ils attendent des mois pour avoir un peu d'argent. C'est Libanais, c'est Burkinabé, c'est malien, c'est les Diniens là, c'est ceux-là qui vont rentrer dans nos forêts, ils vont prendre café de nos parents, cacao, on dit 1400, ils vont les payer ça 400 francs. Rien n'est contrôlé. Rien n'est contrôlé. Moi, ce que vous combattez là, j'ai plus d'expérience que beaucoup d'entre vous. C'est moi qui vous dis ça. J'ai été au Ghana, j'ai vu. Aujourd'hui, si, si, je vois. Nos paysans sont pauvres parce qu'on ne fait pas une vraie politique pour ces paysans-là. On ne fait pas une vraie politique. L'État prend, mais les gens deviennent pauvres chaque jour. Ce n'est pas normal. Ceux qui gagnent aujourd'hui dans les cafés cacao, ce sont les Libanais. Ce sont les Maliens, ce sont les Burkinabés. Ils prennent de l'argent dans leur pays, ils ont le capital, ils vont dans nos villages-là. Ils ont un peu d'argent là. Le vieux, là, il attend. L'État n'a pas encore fait de politique. pour que le paysan, ici en Europe, ici là, ici en Suisse, là, ton cacao-là, tu as dit ta tomate là. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour ça. Matin bonheur, le système a tout créé. Il y a des gens qui viennent, ils On dit, ouais, tu perds, tu mets dedans, de on te ton argent, ils sont partis. Parce que c'est un système qu'on met en place dans l'intérêt du peuple. Tout est coordonné. Chaque jour, il y a des gens qui font des efforts. Quand on dit chèreté de la vie, c'est là-bas où vous parlez de chèreté de la vie. Comment on va parler de chèreté de la vie dans un pays où on a 30 millions d'habitants, où les jeunes sont nombreux et puis ils sont... Non, c'est parce que les gens ne travaillent pas. Il y a un groupe qui s'enrichit, puissant, et les jeunes sont aussi là, et non, rien. Il y a un demain qui cherche 2 millions, 3 millions pour ouvrir des affaires. On laisse tous les petits Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, quitter quittent leur pays, ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Ils soutiennent les coups d'État, les rébellions dans leur pays. Ils quittent là-bas et puis ils prennent le capital là. Ils viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire, ils louent, ils louent, ils louent, ils viennent là, ils deviennent des hommes d'affaires. Ils ont des boutiques, ils ont des magasins, ils ont tout. Ils sont et puis l'Ivoirien assis là. <laughs> tout ce que l'Ivarien peut faire, c'est de faire palabre. <laughs> venir insulter Zasso, faire commentaire. Zasso ta mère quand Zasso tu es maudit. Zasso tu es ceci. Mais les gens sont en train de tout prendre sous vos yeux. Bande vide. Bon, <laughs> Mais les gens sont en train de tout prendre sous vos yeux. Ils s'en sur tout. Ils là. Ils peuvent changer le coup de l'histoire sans vous. Parce que vous n'ouvrez même pas vos yeux. Discutez avec les cadres pour qu'ils vous donnent les moyens. Et puis ne soyez pas égoïste. Moi, je connais des jeunes, quand ils mangent, les autres n'ont plus rien à dire. Quand il n'avait qu'un cadre, puis le cadre lui donne quelque chose, ça dit pour lui, c'est fini. Dès qu'ils vont commencer, à, ah oui, ne, ne le touchez pas, c'est bon. Regardez-moi ça. Regardez. Les jeunes sont devenus égoïstes. D'autres sont là même, ils ont peur, ils ne savent plus quoi dire. Parce que quand tu as dit quelque chose, tous ils vont me m'agresser, ils vont me menacer. Mais vous menacez les gens pourquoi Vous les menacez pourquoi Mais laissez les jeunes s'exprimer. On s'est battu pour que la jeunesse s'exprime. Quand on mène un combat dans l'opposition qu'on assez de pouvoir d'État, c'est pour donner la liberté aux autres de s'exprimer. Donnez-leur la liberté. Et battez-vous pour obtenir votre liberté. C'est pour ça que Wattra s'est battu. Pourquoi qu'on ait notre liberté de vous nous exprimer. Si j'attends un cadre menacé, un leader de jeunesse par qu'il a donné son opinion, informez-moi, je vais m'asseoir sur lui. Ça, je vous dis la vérité. Parce que ce n'est pas leur travail. Beaucoup de jeunes sont morts. Les jeunes aujourd'hui sont arrivés, il faut qu'on leur donne du respect. C'est ça qui est là. Donc, chers amis, voilà certaines vérités. C'est ça qui est certaines vérités. Alors, donc, ces histoires de soubrés, les meetings, je voudrais dire aux gens changez de stratégie, changez de méthode. Dans vos communications, dans votre approche, dans vos relations avec les populations, essayez de revoir beaucoup de choses. Et puis, il est urgent qu'on revoie le système. Il faut carrément modifier le système. Il faut renforcer le système. Il faut aller chercher des gens. Parce que la campagne présidentielle, c'est ça. Regardez ce qui s'est passé hier aux États-Unis, le débat entre Joe Biden et, et, et Donald Trump. Mais j'ai passé toute la nuit, la fois dernière, à suivre le débat. Ce matin, tous, ça dit, quand je me réveille à 4h, 5h, je mets le débat Joe Biden et Trump. Ça m'ouvre ça, l'esprit. Ça dit qu'on parle d'avortement. Ça, c'est des questions internes aux États-Unis. On parle de l'économie, le Covid qui est arrivé hier, on parle de la guerre de l'Ukraine. Il touche tous les points et les Américains écoutent. Tous les enfants sont braqués, l'école, leur avenir. Mais c'est de ça qu'on décide. C'est toutes ces questions-là que les jeunes, quand vous retrouvez, c'est ça qui doit être vos débats. Ne vous retrouvez pas en train de dire, ah lui la Groval, à lui la Saint-Trainte, la Saint-Vendu, alors qu'autour de toi, dans ta famille, les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens ne sont pas contents. Et regardez à Bondoukou. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il allait à Bondoukou. Quand il est arrivé à Bondoukou, il dit Bon, ici, il a les routes, faites tout ça, il a donné instructions. Dès que le président Ouattara, comme il était là, ils ont envoyé les machines, ils ont déposé les machines à Bondoukou. Quand le président partait là-bas, le président dit Toutes les villes là. Bon, parce que Bondoukou, c'est une ville qui m'a beaucoup apporté. Donc, parce que moi, j'ai été là-bas depuis le RDR. Donc, les routes, là, développé, les villages, faites ça, fait Ils ont mis les machines. Le jour le président va est parti, quand le meeting est fini, <rire> 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 les populations ont dansé, parce que les populations ont vu les machines, les quoi, quoi, quoi là. <laughs> C'était l'arrivée du chef de l'État. Non, les... <laughs> Les... 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 les populations ont porté leurs doléances. Les... les populations ont donné toutes leurs doléances sur Ils ont envoyé une machine. Dès que le président Ouattara a donné deux... deux jours après, ils sont venus prendre les machines. Ils ont, ils ont... Ils ont... Ils ont pris Ils ont, ils ont, pris tout... ils ont pris toutes les machines. Ils ont dit Vous la restez là. là. Okay. <laughs> vous la restez là, c'est nous qui allons venir vous donner le goudron ici. On va venir arranger ça à On va venir faire les routes à puis on va dire Adjumani à Dumani à développer sa région. Ne comptez pas sur nous. Hein. Dites à Dumani que nos machines, non, ça va avec ça. <laughs> vous arrivez à Bondoukou, le village là, il n'y a pas route. <laughs> tu rentres il y a, y, a, y a les paysans. Il n'y a pas route. Il n'y a pas route, c'est triste. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas route. Hein. Y a pas route. Alors que le chef de l'État a donné une solution, Adjumani est ministre d'État. Il est ministre d'État. Il est ministre d'État. Normalement, on devait... mettre. C'est des guegues du système. C'est des guegues. <laughs> <laughs> Moi, je vais, je vais aller mettre une machine de toi, on va développer tes routes, et puis on va dire Adumani a fait ça, Adumani est fort, ses parents vont te tuer. Non, 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 ça ne marche pas. Donc, dans le parti. Il y a des gens même qui vont aller dire, non, Ajoumani, il est comme ça. Ajoumani, il est ceci. Est... Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe partout. Voilà les difficultés qu'on a dans notre parti. Quand vous voyez que tel ou tel ville, là, il s'est délaissé. C'est le comportement des gens. C'est des trucs qu'ils décident. eux-mêmes. Ils s'assoient, ils ne veulent pas. Il y a des gens... Moi, là. Il y a des gens qui m'ont trouvé ici, qui m'ont dit, ah, moi, je vous dis la vérité, le prénom Ouattara a dit plusieurs fois aux gens qu'il veut voir Zasso. Le président Ouattara a dit plusieurs fois, je veux voir Zasso. Mais il y a des groupes, ils ne veulent pas. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils sont allés, ils disent, non, on ne veut pas. Ils disent, ils ne veulent pas. Bon, le président veut me voir là-haut. Il est où le problème, puis vous ne voulez pas Attends, moi, je ne comprends pas. Mais c'est parce que quand Zasso parle, Zasso va dire au président que sous il n'y a pas route. À Gagnon, il n'y a pas route. Il dit, il n'y a pas route. Il n'y a pas les jeunesse de là-bas n'ont rien eu. Les jeunesses de là-bas n'ont rien eu. Il n'y a rien, ils n'ont rien eu les de Vous arrivez chez moi à Gagnoua, c'est triste. Toutes les entreprises sont fermées. Il y a café, il y a cacao, il y a tout. Et Via, mes parents étaient abandonnés. Vous pensez quand les gens combattent? Mais c'est nous qui combat, c'est nous tous en combat. Souvent, mais d'autres pensent que c'est on est babos. Est tout ça dit tous ceux qui sont à Gagnoua sont. Alors qu'à Gagnoua, il y a aussi leurs parents dedans. Il y a aussi leurs parents dedans. Mais ils ne savent plus faire la différence. Ils se sont levés, ils sont allés créer le mouvement du Nord. Je me suis opposé à ça. Il a dit Aïe, comment On était au RDA, on n'a pas créé le mouvement du Nord. On est au pouvoir. Là, vous allez, vous mettez Goudron chez vous, vous mettez des banques, vous mettez tout. Vos jeunes ont financement, ils ont tout. Vous vous levez pour créer le mouvement du Nord. Et donc, chez moi, à Gagnon, là, je fais comment Là, on dit Non, ça soit comme ça. J'ai été attaqué, j'ai été insulté, j'ai été traité de tout. J'ai été humilié. Moi-même, je suis abdi là. J'ai dit Mais il y a quoi J'ai dit Mais il y a quoi vous arrangez chez vous. Chez moi, il n'y a rien. Je ne peux, peux pas parler. Je suis aussi un homme politique qui a été au RD avec vous, qui a mobilisé ses parents. Donc, si aujourd'hui on est là, que je parle, écoutez-moi. Écoutez-moi aussi. Donc, chers amis, je vais dire aux gens, pour terminer, la machine de l'État a ses limites. La machine de l'État a ses limites. On ne profite pas de l'État pour se venger des autres. On ne profite pas de l'État pour affaiblir les autres, pour détruire les autres. Quand on est à la machine de l'État, c'est de renforcer la foi, rassurer, manger avec les autres, vivre avec les autres. C'est ça qui est l'objectif du combat le vivre ensemble. Parlez avec les autres, allez-y vers les autres, prenez vos voitures, allez-y les saluer. Quand vous venez en Europe, là, venez nous saluer aussi. Les cadres viennent en Europe. Ils s'arrêtent là avec leur famille. Ils ne viennent même pas dire bonjour à ça. Mais ce n'est pas bien. Et puis quand ils font leur réunion, c'est toujours avec leur famille, leurs parents. Mais vous êtes des cadres de l'État, des ministres de la République. Vous êtes là pour nous tous sans discrimination. Quand vous venez là, après le code, on vous appelle, vous touche. On dit, ah, le président Latin est là. Mais vous vont s'asseoir entre eux. Et puis après, ils nous appellent pour dire, tel était tel là, tel était tel là. J'ai dit, ah bon Ils étaient ici, on dit, ils étaient ici. On dit qu'ils étaient là, mais ils sont partis. Ils ont mangé à nous, on a pris café ensemble, on a bu ensemble. J'ai dit, quoi Ils dit, oui. J'ai dit, les gens, pour Moi, je suis assis sur les réseaux sociaux. <laughs> sur les réseaux sociaux, Au matin, midi, soir, la c'est là. J'ai dit, ok, mais ça fait partie. C'est tout ça, ce combat. C'est tout ça, le combat. Mais ces gens quoi, si, c'est pas ça une priorité. Je suis en train de communiquer. Voilà. C'est pas ça, la priorité. Moi, je vis je vis, je n'ai pas de problème, ça. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais ce que je dis, c'est peut-être de... que c'est de l'humour, mais je parle. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme ça. Et ce que je dis là, peut-être que quand je dis souvent, c'est moi. Mais derrière moi, vous voyez des milliers de personnes. Derrière moi, vous voyez des milliers de personnes qui disent ça et qui sont nombreux. Vous ne savez pas ce que j'avais dit. Parce que vous êtes limité, vous ne pensez pas loin. Ça veut dire que vous, vous venez sur des postes juste pour faire des commentaires. Mais vos commentaires, quand on les regarde, ici, là, sur ma page, là, il y a les blancs, il y a tout. Il y a les blancs, il y a tout. Quand ils vous lisent, et après, ils vont sur vos profils, ils me demandent, mais à quel niveau On dit, mais lui, là, c'est monsieur, il quel niveau Eux-mêmes, ils vous regardent, c'est là, ils voient qui vous êtes. Ça veut dire que ce n'est pas comme ce jeu ici où on pose le débat qui préoccupe tout le monde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on dit les intellectuels, les intellectuels, c'est eux qui apportent plus à des pays, à des à des systèmes. Les gens ici forment des gens pour apporter plus. Ici, là où moi je te dit là, il y a des gens, je, si tu veux, je vais publier. Eux, ils ont géré crédit suisse, ils ont géré des grandes structures, ils sont devenus maires. Ils viennent chez moi. Ils viennent me saluer, je vais chez eux. Eux, c'est des multimilliardaires. C'est-à-dire, de... eux, c'est des générations. Leurs parents ont travaillé. Quand il y a match, là, je m'avais dans leur ferme. là. Quand tu arrives leur ferme, là, les voitures, on prend là-bas. Et puis, vous dire, boss, boss, là, ça, c'est là-bas. Les choses, là, c'est petit. Ils prennent ça, ils les vaches, là, derrière, plein. Toi-même, tu regardes, même, tu es surpris. Tu dis, chez nous, là-bas, là, ça, c'est des voitures, c'est des voitures qui coûtent cher. Mais eux, ils ont déjà ça. Quand je parle, c'est de l'humour. Ici, quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance. Moi, je suis quelqu'un, j'ai la facilité d'aller vers les gens. Donc, ici, là, les médias, les autorités, tout le monde me reçoit. Moi, je n'ai pas de problème. Je cause conseille tout le monde. Chez nous, là-bas, là, après les pouvoirs politiques, là, les gens, sont... c'est fini. Quand les gens, là, une fois souvent, j'ai remarqué, j'ai dit ça aux gens du FPI, mais aujourd'hui, là, beaucoup m'appellent, ici, on a tel problème. Je dis, mais hier, vous étiez au pouvoir. Quand, vous parlez, là, quand vous parlez. Qu on vous parlait là, c'était de ça qu'on vous parlait. C'est comme ça qu'on vous parlait. Quand vous disait ça hier là, vous n'écoutiez pas. Aujourd'hui, on a perdu le pouvoir. C'est moi, vous appelez pour parler problème, mais moi je vais faire quoi? Moi, je ne peux rien faire. Moi, j'ai quel pouvoir pour régler vos problèmes. Tout ce que je peux faire, c'est de faire des vidéos pour vous interpeller. Sinon, je vais dire quoi, après ça Je n'ai rien à dire. Je ne suis pas dans le système. Je ne peux pas aller voir le président Ouattara. Je ne peux pas aller voir Bitogo. Ils sont occupés, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Voilà. Et ils sont toujours occupés. Ils n'ont pas le temps parce que eux, là, c'est les tumulte de postes. Ils ont trop de postes. Un combat qu'on a mené pendant des années. Le tumulte de postes. Une seule personne a 4, 5 postes. Et il y a des communes, il y a des régions clés qu'on donne à des gens qui ont plusieurs postes. Mais comment ces régions-là vont se développer Comment ces régions vont se développer Parce que lui-même, tu dois faire le travail. Il est déjà trop occupé. Il a autre fonction. Et ils confient ça à d'autres personnes qui ne rentrent pas dans l'esprit, dans la vision du système. Et ils font ce qu'ils veulent sur le terrain. Moi, je suis allé dans des régions, dans des cas où je vois, je dis, mais pourquoi ce grand état, Pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi ça Je pose des questions. Mais quand les gens m'expliquent, je dis, mais ce n'est pas normal. Si on a choisi quelqu'un comme, comme maire, en fonction de la vision du président Ouattara, de ce que le président Ouattara veut atteindre, tu es temps. Mais ces mères-là doivent résider dans la ville, ils doivent vivre là-bas avec leurs enfants. Les enfants doivent aller à l'école là-bas, ils doivent être dans la population. Mais ils ne sont même pas dans la population, ils ne sont pas présents, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. On laisse quelques personnes là dans la commune, puis ils ne font pas là, ils prennent les terrains, ils sont dans les palables, ils vont aller dans les marchés là, aller prendre les bris seulement, c'est prendre les jetons, et puis on ne sait même pas où on va. Mais c'est de tout ça qu'il s'agit. Vous arrivez dans des communes aujourd'hui, tu, 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 as, tu as honte, tu ne tu sais même pas quoi dire. Le chef de l'État prend son budget, il lance ses gros chantiers, il suit ses chantiers de près parce qu'il veut atteindre un objectif. Mais rentre dans les régions, rentre dans les villes. Mais c'est ceux-là qui vont voter quand il y aura élection, c'est devant le on va aller, on va aller. Tu vois Donc, chers amis, voilà, voilà un peu ce qui la vérité. quoi. Voilà un peu certaines vérités. Voilà certaines vérités. Donc, je voudrais dire changer de méthode de communication face à Tiam. Essayer de revoir beaucoup de choses. Demain, je vais parler si le financement prévu par le président de la jeunesse, les 1 milliard. Un milliard que le président Ouattara a promis à la jeunesse. Mais chaque jour, le président Ouattara donne un milliard. Il y milliard à la jeunesse, là. Le président Ouattara donne ça chaque jour. C'est ce qu'il a dit, là, c'est la vérité. Il n'y a pas tous les ministères en charge de la jeunesse ont des budgets de la jeunesse. Tous les ministères en charge de la jeunesse, ça à dire que vous partez, ministère de l'éducation nationale, des sports, ministère de temps. Ministère de jeunesse, tant, tant, tant il y a plusieurs ministères, Ministère techniques, formation, il y a plus de cinq ans, combien de ministères qui gèrent la vie de la jeunesse? Ils ont des budgets pour ça. Ils ont des budgets pour ça. Ils ont des budgets, donc le chef de l'État fait de sorte que ces jeunes là, mais le problème est ce que cet argent va dans la jeunesse. Est ce que ceux qui sont là font véritablement leur travail? Si les gens font leur travail, alors pourquoi on a besoin de louer beaucoup de cas pour faire des meetings Des petits meetings, on peut dépenser soit 500 millions, 600 millions. Attends, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup de millions. Comment on peut faire des meetings à Bidjan, sous le RHDP Au RDL, avec 20 millions, 30 millions, on fait plus de 50 000 personnes. Mais aujourd'hui, il faut dépenser 300, 500, 400 millions, 800 millions. 800 millions pour faire un meeting. Parce qu'il faut, mettre, il faut qu on aller chercher. Est-ce qu'on paye, on paye même des gens Ça dit, on paye des, on, ça dit, Moi, je sais beaucoup de choses. Parler, parler de la culture, là. Quand il y a un meeting, là, ils ont l'air. Quand ils connaissent déjà leur réseau. <laughs> quand il y a un meeting, là, ils connaissent leur réseau. Parler de la culture, là, ils ont leur réseau. Ils comptent, ça fait combien Ils vont calculer. On va payer le transport, on va payer ta nourriture, on va faire ça. Même si on doit aller te chercher à Wangolo Dougou. <laughs> Et puis après ça, on dit on a mobilisé. On a mobilisé, mais on est en train de trahir nous-mêmes notre propre système. On est en train de trahir nous-mêmes notre propre système. À moi, non, ce n'est pas une affaire de on ne te considère pas. Non. Je ne suis pas le seul militant. Ce qu'on parle là, ce n'est pas, pas un niveau RDS. On parle des problèmes qui engage la Côte d'Ivoire. Amon, chose à à nous. On, quand je parle, je dis la jeunesse. Je n'ai pas dit la jeunesse RDR. Tu vois, j'ai un peu mal quand je vois vos commentaires. Quand je, souvent, quand, je préfère même souvent même que vous ne venez même pas sur ma page. On est en train de parler, puis tu dis, non, ce n'est pas considéré qu'il y a le problème. Le problème que je soulève là, c'est un problème qui engage l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Je parle de la vie de la jeunesse. Pas qu'on considère ça, on me considère, on ne me considère pas. Mais je suis ivoirien. Est-ce que ça m'enlève le titre d'Ivoirien Je suis Ivoirien. Quand Babo était au pouvoir, vous avez considéré qui? Quand Bédi était au pouvoir dans vos partis il y a des gens qui avaient tous des problèmes. Dans tous les partis politiques, il y a des gens qui combattent les autres. C'est tout à fait normal. C'est en fonction de leurs ambitions. Moi, je suis en train de parler d'un combat. C'est-à-dire, je parle de la vie de l'Ivoirien dans notre système. Moi je suis venu ici là, je n'étais pas leur citoyen. Je n'étais pas leur citoyen. Hier, mon fils vient de me faire plaisir. Hier, mon fils vient de me faire plaisir. Mon fils est venu ici là. L'enfant est allé à l'école. Mais si je vous dis aujourd'hui, là où mon fils vient de... Ça dit que l'école est finie, je suis allé hier à la cérémonie. Quand on prenait, ça dit mon fils, j'ai dit l'enfant a bossé. Ça dit, j'ai dit mon enfant, quand on m'a dit mon enfant a admis un temps, un temps, je n'ai pas l'envie de dire pour ne pas, mais je suis fier. Je suis fier. Il y a un système qui fait que mon enfant, aujourd'hui là, il, me, il va dans une, ça dit les écoles d'ici, les grandes écoles chères là, c'est là-bas, moi mon enfant ça va. Non, moi je suis fier de moi. Moi je suis fier de moi. Moi je me bats pour mes enfants. Je suis fier de moi. Je sais, hier, il y a dit hier, tout le tout, devant tous les petits blancs, mon fils est dedans. Je n'ai pas voulu mettre ça sur les réseaux sociaux. Parmi les blancs, j'ai vu mon fils. Les blancs étaient contents dans la salle comme ça. Les gens sont venus me saluer. Mais attendez, vous racontez quoi Vous êtes assis dans l'ananas, vous avez quel problème Vous avez quel problème Est-ce que vous réfléchissez même Apprenez à réfléchir. Ça dit que quand vous raisonnez, ça dit que la pauvreté est devenue mentale. Ça dit que ça agit même vous sur vos consciences. Souvent, il y a des gens qui sont allés à l'école, mais tu les vois venir raisonner. Tu ne comprends rien. Moi, mais je ne comprends rien. Posons les problèmes pour aider le chef de l'État. On n'est plus au RDN, nous sommes au RHDP. Donc, si même les gens ne considèrent pas les gens, dites leur considérer les gens. Parce qu'on est dans un combat pour considérer les gens. Nous sommes des Ivoiriens. Tout Ivoirien doit être considéré. Parce que nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire. Toi, ça te plaît, ça te fait rire. Mais ça veut dire que tu es un inculte. Ça dit, tu es carrément, tu es inculte. Ça dit, tu ne sais même pas, tu sais pas ce que tu cherches sur ma page. Tu es carrément inculte, tu es abruti. Tu es abruti. Ça dit, tu es limité. Tu, tu es abruti, tu es limité. Donc, je voudrais terminer pour dire aux gens... L'État, la machine de l'État a des limites. Arrêtez de menacer, arrêtez d'insulter, arrêtez de faire du chantage. Cherchez plutôt à convaincre. Parce que nous, on a un bilan. Le président Ouattara a un bilan. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là où on est là, ne peut gagner les élections au premier tour. Et ce que j'ai remarqué dans l'histoire des combats en Côte d'Ivoire, c'est quand on est au pouvoir qu'on devient plus faible encore. Quand on est dans l'opposition, on est dynamique, on est fort. On est avec tout le monde, sans discrimination. Mais c'est quand on accède au pouvoir d'État que les intérêts des gens vont au-dessus de tout. Et les vrais concernés de la lutte, on les abandonne. Ça veut dire le peuple. Souvent on menace des gens, on les intimide, ils n'ont rien à dire. Mais pourquoi Il faut qu'ils parlent. C'est leur droit. C'est pour cette liberté que nous sommes. Il faut que les militants critiquent. Il faut que... Ici, là, les enfants critiquent, les gens ne sont pas contents. Donc, et, mais les autorités changent toujours. Ils sont rassurants. Nous devons toujours rassurer. Quelqu'un dit, n'a pas mangé hier. OK, d'accord. Tu n'as pas mangé, on a compris. On réfléchit deux jours, trois jours, on se cotise, là, on dit, mon frère, tu avais dit que hier, tu n'as pas mangé. Regarde devant ta porte. On dit, il y a deux sacs de riz, il y a huile, il y a piment, il y a 200 000 faut donner à ton épouse. Après, on réfléchit, on dit, bon... Qu'est-ce que ta femme fait? Ah, vraiment, ma femme, bon, donne-lui, voilà un million. Elle n'a qu'à faire son commerce, elle va se dépoller. Mais c'est ça, là, le combat? Oui, compliqué dedans. Nous, on a simplement, Bon, tiens, bon, mon frère, toi, tu veux faire quoi? Bon, si tu fais ferme des choses, si tu au moins c'est 100 poulets, 200 poulets, on peut te créer un réseau parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Tes poulets, là, bon, voilà au moins 5 millions, il faut faire ta ferme. Ça, là, c'est la couche. Mais il a réussi, c'est fini. Mais attends, élection approche, là. tu vas parler devant nous? On peut rester au pouvoir pendant des années, parce qu'on doit toujours être partout pour voir les problèmes des gens. On doit toucher leurs problèmes du doigt. Comme ils vivent, ils ont mangé leurs enfants à l'école. Est-ce que moi je vais à Bidjan? Je vois même des enfants qui vont à l'école sans chaussures. Des enfants vont à l'école sans chaussures. Les enfants vont à l'école sans chaussures. Souvent même là, pendant que des enfants vont à l'école, il y a certains qui sont assis à la maison. On dit l'école est gratuite. Il y a des enfants à Bidjan. Ça dit au plan international, droit d'enfant. Tout le monde dit, un enfant là, à l'âge de temps doit être à l'école. Je vois des enfants, maman en train de faire baigner l'enfant à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis ils vendent de l'eau. Vous passez partout, les enfants vendent de l'eau. Les enfants, l'eau sur la terre. Et puis on est dans la société, on regarde. Mais ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on ne fait pas notre travail. Ça dit, nous tous, on ne fait pas notre travail. Il est vide. À ce 21e siècle, des enfants vont à l'école, il y a d'autres qui ne vont pas à l'école. Mais ce n'est pas normal. Ça dit, on doit interpeller la ministre de l'Éducation nationale pour dire, voilà des enfants qui ne vont pas à l'école. Elle doit, elle doit répondre. La police, tout le monde, on doit dire, non, mais il y a des... Ici, là, en Suisse, je vous dis la vérité. Hein. Un jour, je suis allé au travail. Parce que ici, il faut se réveiller, il faut d'abord accompagner l'enfant. Tu finis d'accompagner l'enfant, on en fait de sorte que ton programme, tu finis de l'accompagner. À midi, tu dois venir. Et puis, tu vas le déposer, tu vas aller le chercher. Moi, un jour, quand je suis quitté dans mon boulot, le train, l'heure du train, je vais prendre, j'ai raté le train. Mais la police. <laughs> J'étais dans une ville. Hein. Il est midi, les enfants doivent sortir, les gens s'en vont. Ils ont appelé la police. La police est restée dans l'école. Moi, j'arrive. J'ai dit, on m'appelle, on dit, monsieur, vous êtes où? Votre enfant. Hey, Est-ce que les gens, les gens, est que les gens savent de quoi il s'agit même <laughs> Je prends le... Heureusement que j'ai pris le train. Tout. Ils ont vu, on dit, ils sont restés là à côté de l'enfant. Ils sont restés là à côté de l'enfant. Quand je suis venu, on m'a donné mon enfant. On dit plus jamais. Prochaine fois, tu es devant le juge. Ah ben oui! Prochaine fois, tu seras devant le juge. Chez nous, on frappe les enfants. Les enfants traînent dans les rues. Il est 18h, à 21h la fin devant les bars, devant les maquis. J'ai dit à des hommes, j'ai dit souvent à des responsables de la police. Souvent tu arrives dans des quartiers là. Tu es là, musique boum 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 boum. Il est 21h, 22h, musique, bou boum bou bou bou. Et puis les enfants sont à fin, devant les maquis à 22h. Et puis il n'y a rien. <laughs> Chers amis, portez-vous bien. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En tout cas, changeons de comportement, revoyons beaucoup de choses. Parce que l'appareil de l'État qui est là, là, la machine que j'appelle la machine de l'État a ses failles. Ça a trompé Babo. On a vu avec hein, Babo. Tellement Babo comptait sur l'appareil de l'État. Tellement Babo comptait sur la machine de l'État. Babo a perdu le pouvoir. 38%. Regardez au Sénégal, avec Sall. Marquis Al sur l'appareil de l'État, ça l'a trahi. Donc l'appareil de l'État trahi. Faisons attention. Mettons-nous au travail. Disons la vérité. Arrêtons de mentir. Arrêtons les petits guéguerres, les palabres, l'égoïsme, tout arrêtons tout ça. Concentrons-nous sur la vie de l'homme, de l'humain. Faisons de ce sorte que l'ivoirien soit au cœur de notre combat. Bisous à vous tous.